Monsieur Mon cerveau. Se définit. En quoi? Est-ce que mon cerveau fonctionne bien? Si je suis obèse, il est possible que mon cerveau ne fonctionne pas bien. Vous me disiez, est-ce que c'est vrai? Eh bien, il y a des hormones qu'on appelle leptine et insuline. Ces deux hormones ne font pas le même travail. OK? L'hormone appelée insuline sort de la cellule de graisse et non, non. L'hormone qu'on appelle leptine, excusez-moi. L'hormone qu'on appelle leptine sort de la cellule de graisse. Prenons ce côté, on met leptine de ce côté, insuline de ce côté. OK? Leptine vient de la cellule de graisse. Et sa mission, c'est d'envoyer des signaux. Signaux, hi, au cerveau. Hi, cerveau, je viens de manger une friandise. Je te le fais savoir. Comme ça, je sais ce que tu dois faire, hein, pour que je me sens bien de danser. C'est ça mon envie. Je n'ai pas faim, je danse. Je n'ai pas faim. Est-ce que je veux de manger quelque chose, je n'ai pas faim. Tu peux utiliser ce surplus d'énergie pour investir dans ma danse. J'ai besoin de l'énergie suffisante pour danser. Eh bien, cela dépend. C'est pas parce que vous avez envoyé votre signal au cerveau que vous pensez que le cerveau va le recevoir. C'est le maître de régulation. Il peut ne pas vous voir. Il peut ne pas voir que vous avez envoyé ce signal. Il peut avoir reçu. Il peut l'avoir reçu, mais il ne le voit pas. Il peut décider de ne pas le voir. Oh, il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Mais pourquoi? Eh bien, le signal peut ne pas être suffisant. Si vous n'avez pas beaucoup de graisse pour que le signal pour alimenter cette hormone leptine appelée leptine, peut-être que leptine n'est pas assez suffisant. C'est vrai, leptine peut ne pas être suffisant pour envoyer un bon signal pour atteindre le cerveau. Ça, je peux le comprendre. Ça, je peux le comprendre. Et même s'il atteint le cerveau, peut-être que il y a des interférences. Quelqu'un peut venir pour bloquer ce signal.
Eh bien, supposons que le cerveau a reçu votre signal. Il a vu. Il ne fait pas semblant de ne pas le voir. Il tient compte de votre signal. Maintenant, il a une information que vous venez de manger une friandise pour vous les danser. So, le cerveau va mettre en branle. Le système sympathétique. Le système nerveux sympathétique. Eh bien, ce système va mobiliser vos muscles. Vos muscles seront en mouvement. Eh bien, vous pouvez danser comme vous voulez, ma chère. Allez, vous pouvez faire tous les mouvements. Brûlez votre énergie. Vous venez de manger cette friandise. Vous pouvez danser, vous avez assez d'énergie pour danser. Eh bien, je danse. So, je veux brûler cette énergie. Je me sens bien en dansant pendant que je brûle cette énergie. Eh bien, l'ordre a été donné. Au nez appelé vagus nerf, de contacter l'insuline qui libère cet extrait d'énergie. L'énergie reçue a été libérée, c'est-à-dire mettre à votre disposition pour investir dans l'acte de danser. Oh, c'est beau ça. C'est comme ça que je peux danser. So, cette friandise avec son sugar bien haut m'a pu aider quand même. Un sugar est haut. Ici, il y a quelque chose qui cloche. Quand je pense comme diabétique, tous mes sugars flânent, sont en train de flâner dans mon tuyau de sang, sans pouvoir atteindre mes cellules, parce que justement, il y a un problème. Et mes cellules sont en train de gémir pour manque de faim. Il y a un problème d'insuline. Son insuline, parfois, ne fait pas un bon job. C'est les diabétiques. Ainsi donc, considérons que le cerveau n'a pas reçu le signal. N'a pas reçu le signal. Qu'est-ce que le cerveau va faire? Il est supposé recevoir le signal, il ne l'a pas reçu. Les petites hormones toujours envoient un signal. Il doit toujours envoyer un signal. Si vous n'avez pas reçu, vous mettre de régulation, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je vais assumer que vous avez fait. Mais vous assumez que j'ai fait. Mais je n'ai pas fait. Qu'importe. Une seule chose. Vous avez fait. Si je ne vois pas le signal, vous avez fait. Si je ne vois pas ce signal, vous avez fait. Et je vais agir en conséquence, puisque vous avez fait. Votre sympathétique système ne sera pas en branle pour avertir vos muscles. Vous avez tendance à conserver votre énergie, pas à les dépasser. En dansant, vous êtes en train de souffrir de faim.
Mais c'est pas vrai, je n'ai pas faim, je viens de manger une friandise. Moi, je vous dis que je viens de manger une friandise. Qu'importe. Si je n'ai pas reçu le signal de leptine hormone, je considère que vous avez faim. Moi, cerveau, maître de régulation, je considère que vous avez faim. Quelle injustice! Mes amis, quelle injustice! Oui, je considère que vous avez faim. Ainsi donc, l'ordre a été donné au sympathétique système de rester tranquille dans son coin. Il n'a rien à faire. Mais le vagus nerve, le nerf appelé vagus nerve, ce nerf va se débrouiller pour augmenter votre appétit. So, maintenant, vous allez avoir beaucoup plus de calories. Et surtout, restez devant votre TV à manger vos calories. So, comme ça, vous aurez beaucoup plus de graisse et vous aurez beaucoup plus de leptine qui vient de graisse. Leptine hormone qui vient de graisse. Ok. Je ferai ça. Mais quand j'aurai beaucoup de graisse et que mon leptine enfin a un signal puissant, vous serez capable de recevoir, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Parfois, je ne vois pas. Je ne vois pas. Mais qui vous empêche de voir? Qui vous empêche de voir? Ah bon? C'est le travail des cellules qui peut bloquer le signal afin qu'il ne puisse pas arriver au cerveau. Mais pour tout, on trouve des méchants, même dans le corps humain. Pourquoi l'insuline aurait fait ça? Mais maintenant, là, je vais rester obèse à jamais. Comment donc? Allons donc. Allons donc. Et bien maintenant, vous pensez ce que je vais faire? Eh bien, quand mon corps me dit de rester assis, je vais courir. Quand je n'ai pas envie de manger, je vais manger. Parce que quelque chose ne marche pas dans mon cerveau. Mon cerveau ne me dira jamais d'aller manger. Parce que mon niveau de leptine n'est pas suffisant. Ou bien, s'il est suffisant, il y a l'insuline qui bloque ce signal quelque part. Parce que aujourd'hui, je ne suis pas levée pour manger. Demain, je ne le ferai pas. Après-demain, je ne le ferai pas. Mais ce n'est pas possible, ça. Hein? Et quand je mange des nourritures de qu'on appelle en anglais fast food. Hein? Fresh fries. Chips. Oh, du jus avec de high fructose sirop. High fructose ce mot veut dire une sorte d'énergie qu'on met dans la nourriture pour que vous avez envie de le prendre encore, de manger beaucoup. C'est malhonnête, ça. Voilà que mon cerveau ne veut pas me donner mes propriétés, mes libertés de faire des mouvements à ma guise. Il m'impose de m'asseoir, pas de manger, pas de brûler mon énergie. Si je ne fais que gagner du poids,
gagner du poids. C'est malhonnête ça. Pourquoi me donner de cette boisson qui me rend addictive, de cette nourriture addictive? Donnez-moi de la bonne nourriture qui me veut pas, et même si je mange beaucoup, je n'aurai pas grossir beaucoup. Donnez-moi l'envie de manger des légumes, de bons légumes, naturels, organiques. Beaucoup d'eux. Ne les laissez pas d'être touchés. Donnez-moi la possibilité de les acheter. Pour résoudre ces problèmes d'obésité. Pourquoi prendre beaucoup de médicaments? Les médicaments à ne plus finir. Alors que le problème peut se résoudre différemment.